Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 5e émission de Passé Présent qui a lieu dans de nouveaux locaux et qui a pour titre aujourd'hui les Brigades internationales. Alors parmi les nombreuses guerres qui ont ensanglanté le XXe siècle, la guerre d'Espagne est l'une des premières qui a suscité à la fois indignation et solidarité internationale. Rappelons un petit peu les faits. En juillet 1936, 6 mois après l'élection du gouvernement démocratique espagnol, 4 généraux tentent un coup d'État. Le soulèvement militaire est mis en échec par des milices ouvrières. Le général Franco va partir Le général Franco va partir au Maroc pour lever une armée. Il sera aidé par Mussolini, plus tard par Hitler. Et en août 1936, les troupes marocaines débarquent en Espagne pour affronter les troupes de l'armée républicaine espagnole. Les gouvernements démocratiques français et anglais se prononcent pour la non-intervention, mais les partis ouvriers décident de soutenir l'Espagne républicaine et le peuple espagnol. Les premiers volontaires étrangers arrivent en Espagne en août 1936. Ils seront 32 000 environ, de brigades internationales, dont environ 9 000 Français. Malgré l'engagement et le courage des républicains et des brigadistes, le combat est inégal face aux armées fascistes. Les pertes sont très lourdes et à partir de l'automne 1938, les brigadistes français se retirent. Le 1er avril 1939, la guerre est définitivement perdue pour les centaines de milliers de républicains espagnols qui se retrouvent pour la plupart, après avoir fui l'Espagne, dans des camps en France. Alors 60 ans après cet échec militaire, le souvenir des brigadistes renaît. Le 19 janvier 1996, le gouvernement socialiste espagnol accorde la nationalité espagnole aux brigades internationales. La même année, le 23 novembre, le jour du transfert des cendres d'André Malraux au Panthéon, Jacques Chirac, président, signe le décret qui accorde aux brigadistes français la carte d'anciens combattants. C'est une reconnaissance bien tardive pour les brigadistes français, qui étaient pour la plupart d'origine ouvrière. Alors Claude Pintier, est-ce pour cette raison que le dictionnaire du mouvement ouvrier, le Jean Métron, fait une large part aux combattants dont on retrouve à peu près 4000 biographies dans le dictionnaire? Oui, en effet, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier fait une large part aux brigadistes. C'était un souhait de Jean Métron qui avait déjà été confronté au problème des communards. Et en étudiant les communards, il se disait, peut-on sélectionner parmi les communards? Est-ce que certains sont plus importants que d'autres? Eh bien, prenons-les tous, prenons-les le plus largement. Il a eu la même réaction pour les brigadistes. Il a fait le choix de ne pas prendre que les commissaires politiques, de ne pas prendre que ceux qui avaient eu tel ou tel parcours, qui étaient connus avant ou qui sont connus après, mais de les prendre tous, ce qui était à l'époque extrêmement difficile, puisqu'ils pouvaient s'appuyer sur le travail des correspondants départementaux de dictionnaires, qui faisaient un repérage local, sur les archives de l'AVER, l'Association des volontaires en Espagne républicaine, et également sur une documentation diverse recueillie par André Marty, puisque Jean Métron était le dépositaire des archives d'André Marty. Et cet ensemble de biographies, qui couvre au bout du compte, en gros, un peu moins de la moitié de l'investissement réel, mais Larry Miskodelski nous précisera tout à l'heure, a été l'occasion pour toute une série de chercheurs, et notamment pour Rémy Skoutelski, de prendre une assise et d'aller beaucoup plus loin avec l'ouverture des archives de Moscou, qui là ont donné des précisions sur l'itinéraire de ces combattants des brigades. Alors parmi les commémorations qui rendent hommage aux brigadistes aujourd'hui, le 16 septembre 1999, au musée de la Résistance nationale à Champigny, dans le Val-de-Marne, une stèle a été inaugurée en hommage aux volontaires des brigades internationales. Parmi les témoins présents se trouvait Louis Blaisy, qui est avec Louis Godefroy et Henri Rolle-Tanguy, l'un des 3 anciens brigadistes compagnons de la Libération. Louis Blaisy a pris la parole, nous allons l'écouter, et il est suivi par le ministre Jean-Claude Guesso. Nos frères, venant de partout, nous suivaient de près. Ils venaient d'Allemagne, des Amériques, des pays baltes,
de Scandinavie, d'Italie, des quatre coins du monde, de partout, traversant les mers et les océans, ils apportaient à l'Espagne l'expression de la solidarité la plus haute et la plus désintéressée. Comme nous, et d'où qu'ils viennent, ils savaient qu'en offrant leur vie à l'Espagne, ils luttaient pour la sauvegarde ou le retour de la démocratie dans leur propre pays. Combien étions-nous ? 50 000 peut-être. Les Français étaient les plus nombreux. Nous étions 8 000, 8 500. Et 3 000 reposent à jamais en terre d'Espagne. Jankélévitch dit à ce propos, il faut commencer par le commencement. Et au commencement, il y a le courage. Oui, il en fallait. Nous avons été de tous les combats et parfois en troupe de choc. Nous avons connu des victoires grâce à la solidarité internationale et particulièrement de l'Union soviétique, mais nous avons aussi connu des revers pénibles. En Espagne, on se battait partout, dans les villes et les campagnes. On tirait comme on déboisait. Certains dirent que l'Espagne saignait de toutes parts. Mais que c'était dans la nature de ce pays de violence et de désespoir mêlé d'orgueil. Que non pas. Le sang et la mort, les larmes des femmes et la peur des enfants d'Espagne, c'était l'horreur. L'horreur, c'était aussi le cri « Viva la muerta !» jeté à Salamanque par un général franquiste. C'était aussi un pays qui, pendant 1000 jours, s'est battu parfois sans armes et sans munitions. La non-intervention des démocraties occidentales ne sera jamais qu'une de ces poubelles de l'histoire où les chancelleries apeurées avaient enfoui leur peur et leur lâcheté. Elles n'ont pas voulu comprendre que la rébellion franquiste, c'était le signal et le début de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cela nous paraît loin. L'histoire s'est emparée de la guerre d'Espagne et du rôle des brigades internationales pour en faire une fresque historique et romantique à la fois. L'Espagne est devenue pour les écrivains d'aujourd'hui ce que l'Antiquité était pour les classiques et le Moyen-Âge pour les romantiques. Donc l'échec, c'est là. Il faut qu'on arrive à passer. Il fallut attendre 60 ans pour que soit enfin reconnu le titre d'ancien combattant et significatif du poids terrible de cette prison du silence, de l'oubli et de la falsification. Bien sûr, l'histoire ne supporte ni l'oubli, ni les simplifications, ni les mensonges. Et dire que l'international communiste, y compris Staline, décelère bien avant les gouvernements occidentaux la dimension fasciste du franquisme, ce n'est pas nier non plus combien dû être terrible pour nombre d'antifascistes la vision de la coupe de champagne dans les mains de Staline et de Ribbentrop saluant le pacte germano-soviétique. Dans son intervention, Louis Blaisy a félicité l'historien Rémy Skoutelski pour son travail sur les brigades internationales.
Rémy Skoutelski, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Je sais que vous arrivez d'Avignon. Vous avez travaillé là-bas sans doute aussi pour des questions historiques. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous allez nous parler ce soir de votre thèse qui a été publiée chez Grasset sous le titre « L'espoir, guider leurs pas ». Je reprends le titre du livre. Ce soir, nous avons quelques petites interférences. « L'espoir, guider leurs pas ». Alors, vous avez une approche d'historien, contrairement à des témoignages que nous avons pu avoir de Malraux, d'Hemingway, de George Orwell, et même aussi après le travail de cinéastes tels que Frédéric Rossif, Ken Loach, plus récemment. Alors, c'est une étude globale, très approfondie, humaine. Comment avez-vous travaillé sur cet ouvrage ? Je suis parti des notices du métro. J'ai également fait quelques dizaines d'interviews, utilisé d'autres interviews qui avaient pu être faites également dans d'autres cadres. Donc il y a à peu près une quarantaine de brigadistes, de témoignages de brigadistes qu'on peut retrouver dans ce livre, y compris des témoignages écrits spontanés qui avaient pu être faits. Et puis j'ai eu accès, parce qu'au cours de mon travail, ce sont vers les archives de Moscou, j'ai eu accès aux archives même des brigades internationales qui m'ont permis d'apporter beaucoup d'informations totalement inédites. Éric Hobsbawm, dans son livre « L'âge des extrêmes, histoire du court XXe siècle », caractérise le combat des brigades internationales comme un combat pur, exaltant, comme l'un de ceux qui a gardé la capacité de recevoir une adhésion. Une autre historiographie fait au contraire des combattants étrangers en Espagne, le bras armé de Staline et donc le bras armé d'une autre oppression. Comment vous situez-vous dans ce débat historiographique ? Oui, alors déjà, je me situe totalement en dehors d'une histoire à la mode qui est une histoire judiciaire, qui cherche à condamner avant de comprendre. Et donc, je suis parti dans ce travail sans aucun a priori. Il est apparu au cours de ces études, effectivement, que si on partait de l'a priori, effectivement, que les brigades internationales s'inscrivaient complètement dans les aspects les plus négatifs de ce qu'on peut être l'histoire de l'international communiste, si on partait de cet a priori-là, on passait à côté de ce qui s'était réellement passé. Puisqu'en cherchant à comprendre réellement ce qui s'est passé, on constate que une chose est ce qu'a pu être la politique de Staline en Espagne, une autre a été ce qu'ont été les brigades internationales, qui ont été laissées totalement de côté par rapport à la politique de Staline, par l'intervention du NKVD en Espagne, ce qui a pu être dit, la politique du PC en Espagne, etc. Un certain nombre de choses qui sont dénoncées, par exemple, dans le film de Ken Loach, sont des dimensions qui ne concernent absolument pas les brigades internationales. Et cela ne concerne absolument pas parce que, à la base, les brigades internationales ne sont pas une initiative du Comintern, c'est d'abord une initiative de militants, c'est la pression de milliers de militants à la base qui a fait qu'à un moment donné, pour des raisons pratiques aussi, le Comintern a décidé de mettre ces brigades en place. Mais ça n'a absolument pas été une initiative qui, initialement, est partie du sommet. Et à partir du moment où, effectivement, c'était répondre à une pression pour des raisons géopolitiques, évidemment, ce n'était pas par pure philanthropie de la part de Staline, mais à partir du moment où, effectivement, on s'appuyait sur un mouvement réel, eh ben, de fait, on ne pouvait pas le guider comme si s'il avait été un instrument du Comintern. Ce que je démontre, je pense réussir à démontrer dans mon livre, c'est que si les brigades internationales ont été incontestablement des unités qui étaient dirigées par le Comintern, en aucun cas on peut dire que c'était en Espagne le bras armé du Comintern. Alors qui sont ces Français qui partent en Espagne ? D'abord le chiffre, il y a un chiffre qui a été avancé tout à l'heure, 8000, 9000, et puis ensuite qui sont-ils du point de vue de leur itinéraire socio-professionnel, politique ? Alors il y a environ 9000 Français qui partent en Espagne.
Contrairement à l'image qu'on peut avoir justement à partir de Malraux, d'Orwell, d'un certain nombre d'intellectuels que vous avez cités, c'est essentiellement un mouvement qui est issu de la classe ouvrière. À ma grande surprise, il apparaît même que la classe ouvrière, dans le sens traditionnel, est encore plus représentée dans le contingent français des Brigades internationales qu'au sein même du Parti communiste français. Ce sont vraiment des ouvriers d'industrie qui partent en Espagne. Ce sont en général des militants syndicalistes, associatifs, mais là aussi, contre, à l'envers d'une idée reçue, ce ne sont pas nécessairement des militants du Parti communiste, puisque il y en a peut-être un sur deux qui est militant au Parti communiste, mais beaucoup, des milliers, n'en sont pas membres. Et puis, troisième caractéristique extrêmement importante, là aussi, contrairement à une image qu'on pouvait avoir avant, ce sont des gens qui ont plutôt la trentaine que 20 ans. Ce n'est pas des départs sur des coups de tête. Ce sont des gens qui ont déjà été insérés dans le milieu du travail, qui souvent d'ailleurs peuvent être mariés, qui ont aussi des enfants et qui partent après mûre réflexion. Et d'ailleurs, c'est la même constatation qu'ont pu faire des historiens qui ont travaillé sur les Suisses ou les Belges, par exemple. Il y a eu une évolution pendant la guerre elle-même entre ceux qui partent tout au début et ceux qui partent en cours de... Il est sûr que les premiers qui partent sont ceux un peu qui font la pression, qui d'un certain point de vue seraient presque prêts à partir même si le Parti communiste n'avait pas organisé ses départs. Avec le temps passant, y compris la connaissance de ce qu'est véritablement la guerre d'Espagne, que ce serait une guerre longue et dure, une véritable guerre, là aussi, ce qu'on découvre quand on travaille sur la guerre d'Espagne, c'est que ce n'est pas du tout une bataille de barricades telle que certaines affiches le laissaient montrer, mais des batailles de tranchées qui parfois rappellent tout à fait Verdun. Et qui font beaucoup de morts. Et qui font beaucoup de morts. Et les Français, notamment, ont énormément perdu d'hommes. Il y a un quart du contingent français qui est resté sur le sol de l'Espagne, ce qui, d'un point de vue militaire, est absolument énorme. Et effectivement, il devient plus dur à partir de 37-38 de faire venir des hommes en Espagne et qui sont parfois peut-être un petit peu moins motivés. Mais dans l'ensemble, ils se comporteront tous de la même façon au front, de façon extrêmement courageuse. Ils impressionneront les Espagnols et encore une fois, ils souffriront beaucoup, que ce soit on parle des morts, mais il y a les blessés qui reviendront par milliers aussi en France, fortement diminués. Le retour est difficile ? Le retour est difficile. Le retour est difficile tout simplement parce que, encore une fois, c'est souvent des hommes blessés qui reviennent. Même pas nécessairement des hommes qui ont du mal à trouver du travail, mais des hommes qui ne sont pas en état de travailler. Il faut se remettre nerveusement et physiquement des combats. Et puis, ils auront à peine le temps de se remettre de ces combats pour replonger la Seconde Guerre mondiale. Donc le retour sera difficile. Le mouvement communiste stalinien ne les accueille pas toujours durablement avec les honneurs. On sait qu'il y aura des problèmes dans les démocraties populaires, il y aura quelques problèmes en France, où des anciens responsables d'Espagne seront pris dans les affaires. En France, par exemple, André Marty, combattant de premier, enfin responsable des brigades internationales, et accusé d'être exclu et accusé d'être un policier. Alors tout à fait. Alors déjà, à la base, les anciens d'Espagne ont toujours joué un rôle extrêmement important dans la résistance de leurs pays respectifs. Ça n'a pas pu être le cas pour Marty, puisqu'il était à Moscou, il ne pouvait pas revenir en France. Mais ils ont joué un rôle extrêmement important. Et c'est vrai qu'après-guerre, quand il y a eu, après la rupture avec Tito, quand il y a eu les procès dans les pays de l'Est, les brigadistes internationaux ont été les premières victimes, incontestablement, de cette répression. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils avaient mené un combat internationaliste qui n'était pas nécessairement en faveur de Moscou à une époque où de politique ultranationaliste des différents partis. Les procès de l'Est sont des partis très nationalistes. En plus, dans les pays de l'Est, c'était souvent des militants juifs qui étaient partis et ces pensées étaient aussi antisémites. Et enfin, c'était des hommes qui étaient partis, pas nécessairement sur l'ordre du parti, qui avaient fait preuve d'initiative personnelle à un moment donné. Et en France, il y avait André Marty qui avait, lui, le prestige de l'ancien mutin de la mer Noire
et du dirigeant des volontaires internationaux, qui était le militant communiste par excellence. Et effectivement, l'atteindre lui était vraiment atteindre les militants communistes dans ce qu'il y avait de plus romantique d'un certain point de vue, de plus fort dans la tradition communiste. Et comme ça a été expliqué, dans le cadre d'une pédagogie de la vigilance, il était important de s'attaquer à Marty pour montrer, dans une période de paranoïa extrême des partis communistes, que même si Marty était coupable, il fallait vraiment craindre tout le monde. Il y a eu également un autre point, on parle des procès de l'Est, mais il est extrêmement intéressant que vous ayez repassé l'intervention du ministre Guesso à la cérémonie. L'oubli des anciens volontaires, les premiers responsables de l'oubli des anciens volontaires, c'est le Parti communiste français pour ce qui concerne la France. Ça ne s'est pas nécessairement passé de la même façon dans les autres pays, mais en France, il est clair que pendant des décennies, le Parti communiste n'a pas rappelé cette mémoire. Mais ceci dit, les propos qu'on entendait de Jean-Claude Guesso sont tout à fait nouveaux sur le lien avec le Pacte Chambon soviétique. C'est assez inhabituel et ce qui prouve une réflexion nouvelle, une nouvelle approche qui essaye de mettre en rapport fascisme, antifascisme, cette période de la guerre d'Espagne et celle du début de la guerre. Oui, tout à fait, c'est une approche nouvelle. Le Parti communiste est en train de se réapproprier, de revoir son histoire. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que, y compris dans cette dimension-là, on a remis en avant la question des brigades internationales. C'est quelque chose d'extrêmement récent qui date des années 90, en fait, en France. C'est que depuis les années 90, que le Parti communiste, c'est vrai, remet en avant cette question des brigades, parce que, bon, il faut bien reconnaître que c'est quand même la page la plus nette de l'histoire du Parti communiste, incontestablement. Et donc ça a été remis en avant alors que beaucoup d'anciens d'Espagne avaient été mis à l'écart pendant très longtemps. Alors Rémi Spitalski, vous étiez à Champigny et là nous avons rencontré aussi Lise Londonde à qui nous avons pu poser une question. C'est l'une des rares femmes qui a été envoyée avec les brigades internationales. Alors je rappelle simplement qu'elle a publié en 1996 un livre qui s'appelle « Le printemps des camarades », fille d'immigrés espagnols, élevée à Vénissieux, dactylo aux usines Berlier, c'est ce que vous rappelez dans votre livre. Lise Ricold, son nom de jeune fille, adhère au Parti communiste en 1931. Après 2 ans passés à Moscou où elle rencontre Arthur Londonde, elle part avec André Marty, justement, en Espagne en 1936. Alors nous allons l'écouter au milieu de la foule. Elle est suivie par un témoignage de Guillermo Rodriguez, milicien espagnol, qui lui aussi a rejoint André Marty. Alors nous écoutons Lise Londonde. Mais écoutez, André Marty, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que c'est quand même lui qui avait été désigné pour être le responsable des brigades internationales. Il avait le rôle qu'il avait joué pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, dans la défense de la République, la jeune République soviétique, faisait qu'il avait, vous savez, une aura très importante, et c'était intéressant qu'il puisse prendre la tête des brigades internationales. Mais je vous dirais que les brigades, mon avis, c'est que les brigades internationales, elles ont été le résultat d'une poussée de la base. C'est le bas, c'est la base qui a demandé à ce que l'aide ne soit pas seulement humanitaire, mais qu'il fallait maintenant passer à l'aide en payant s'il le faut de son sang pour aider la République espagnole à gagner, parce qu'on savait, très bien ce qui arriverait si la République était perdue. Se dice que Madrid fue salvado por las brigadas internacionales. Es una cosa que no puede ser conforme porque en un frente de muchos kilómetros las pocas unidades internacionales que llegaron no podrían cubrirlo. Pero eso sí, la llegada de los internacionales fue como una transfusión sanguínea a un moribundo. Porque aquello nos dio la esperanza a nosotros españoles de que no estábamos abandonados, que si los gobiernos de las naciones democráticas nos habían abandonado, el pueblo estaba con nosotros. Y aquellos hombres, muchos de ellos que tenían la edad que tenía mi padre,
antiguos combatientes de la guerra 14 y 18. Alors pour notre rubrique courriel, nous avons reçu beaucoup d'annonces de manifestations, de commémorations pour les brigades internationales. Alors nous allons commencer d'abord par celle qui a lieu demain et où Rémi Skoutelski, vous pourrez les réécouter demain. Alors Claude Pentier va nous dire où ça se passe. Demain, il y a une initiative fort intéressante en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, dans le cadre des archives départementales de Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a tout un débat sur l'Espagne républicaine, mais aussi tout l'écho du mouvement de l'Espagne républicaine dans la banlieue nord-ouest, avec la présence de Rémi Skoutelski, mais aussi de chercheurs locaux, et suivi en soirée d'une présentation à 20h30 au cinéma Le Magique, un cinéma extrêmement dynamique dans le cadre du cinéma historique, un cinéma qui est animé dans un programme animé par Tanguy Perron, un programme cœur d'Espagne avec des films comme La Mutilation de Barcelone, Victoire de la vie, Levé avant le jour, des documents qui sont absolument inconnus et c'est une véritable découverte. Je vous incite donc à vous intéresser à ce programme l'après-midi dans le cadre des archives départementales, le soir au Magique Cinéma. Alors, une exposition très intéressante aussi sur la guerre d'Espagne se tient actuellement au Musée de la Résistance Nationale à Champigny, dans le Val-de-Marne. Je signale aussi que le concert du chanteur Serge Hugué Royo, que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais un chanteur remarquable. Voilà, rappelez ce nom, Serge Hugué Royo, qui a été intitulé « Au révolutionnaire espagnol de 36, mon hommage, reconnaissance ». Concert qui a eu lieu ce mois-ci a eu tellement de succès qu'il va être repris le 17 janvier de l'an 2000 à 20h30 au Théâtre de l'Européen à Paris. Et Serge Gerollo nous a autorisé à reproduire dans le book le texte en castillan et en français d'une chanson célèbre, puisque son père était milicien espagnol, qui s'appelle « Pardon si vous avez mal à votre Espagne ». Alors, nous entendrons encore aussi Serge Hugué Royo, alors dans la ville du Tremblay en France, le 27 novembre, toujours dans la Seine-Saint-Denis, dont le maire François Assensi est, je crois, le fils d'un brigadiste, c'est bien ça ? Dont on trouve une biographie, on va trouver une biographie de bientôt dans le Métron. Alors là se tient un café littéraire à la bibliothèque Boris Vian, autour de la bande dessinée « La page cornée », aux éditions Bérénice, qui a été écrit à la fois par Didier Deninx et le dessinateur Mako. Donc Serge Gerouillot chantera. Et il y aura une exposition des planches originales. Le Magique Cinéma, alors vous avez déjà signalé, Claude Pentier, un programme. Il y en a encore un deuxième qui a lieu le dimanche 21 novembre 1999 à partir de 15h, qui s'appelle « L'Espagne de 1937 à 1975 ». Avec des films tels que « La guerre d'Espagne » de Jerry Evans, « Des Suisses dans la guerre d'Espagne » de Richard Dindo, « Arriba Espagne » de José María Berzosa, un film inédit. Je ne connais pas ce film, mais José María Berzosa est un excellent réalisateur. Et il sera présent d'ailleurs dans cette soirée. Alors, « La guerre d'Espagne » vue par le cinéma, c'était le thème d'une thèse de Marcel Homs, que j'ai eu le plaisir de connaître et qui est malheureusement disparu, qui avait créé le cinéma Histoire et Cinéma de Perpignan, le festival qui s'appelle toujours Confrontation, parce que je crois d'ailleurs qu'il continue. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour des annonces. Vous trouverez les détails, numéro de téléphone, horaire, adresse dans le book. Beaucoup de manifestations qui ont lieu, bien sûr, en région parisienne, mais si, il y en a certainement qui ont lieu aussi qui ont lieu en province, alors faites-nous le savoir et puis on en parlera. Une autre annonce dont me parle Claude. La remise du prix Jean Métron mercredi prochain, qui a été décernée à Isabelle Reynaud sur le thème « Qui parlera de la commune ?» étude de la représentation de la commune. Un mémoire extrêmement intéressant. Vous savez que tous les ans, un mémoire de maîtrise est récompensé par le prix Jean Métron. Alors, on va vite. Le 2 décembre, la prochaine émission s'appellera « Les femmes et le mouvement ouvrier » et nous aurons comme invité notamment Jocelyne Chabot. Et Slava Lizak. Jocelyne Chabot et Slava Lizak. Voilà. Alors, je remercie Rémi Skoutelski. Je rappelle le titre de son livre « L'espoir guider leurs pas ». Louis Blaisy, Jean-Claude Guesso, Lise London, Guillermo Rodriguez. Merci à Amélie Brun
qui nous a aidé à préparer cette émission, Michael, Françoise, Glenn Pentier. Ciao, ciao les internautes.